Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stellaris avec la naissance de l'Empire Sendarien, et on continue notre guerre. Ouais, on va continuer, on n'a pas d'autre choix de toute façon. Ça, on l'a déjà capturé, c'est ça? C'est déjà sous notre contrôle ou pas? Non. Non, mais c'est pas grave. Plus grave, c'est ça, mais bon. Toi, ici, tu fais quoi? Déjà, tu vas... Ça, et tu vas aller te soigner. Je m'en doute. Et là, ils vont le détruire. Ah non, ils en prennent le... Oh bah très bien, s'ils en prennent le contrôle. J'aurais peut-être la chance de récupérer le contrôle après. Alors ici... Faire... Déjà, tu vas demander des renforts et tu vas me faire ces deux-là. Là-bas, il va se soigner, jusqu'ici. Mais lui, il est en train de détruire. Ouais, en espérant qu'il arrive au bon moment, alors. Nouvelle recherche. Point de blindage, allez hop. Ce qu'on peut tenter, c'est en espèce, notre espèce principale, donc... les Sendar. Sendar, ceci. On a 3 points, on va appliquer un modèle. Non, on va pas appliquer un modèle, on va créer un modèle. Et on va lui rajouter des trucs, on peut lui rajouter quoi? On a 3 points. Donc ça, c'est l'acclimatation. On s'en fout. Ça, c'est quoi? C'est très fort. Ça vaut 3 points. Si talentueux, c'est plus de personnalité. Vitesse de développement des pop. Ça peut être sympa. Ah, ça vaut... Vitesse de développement des pop vaut 3 points? Non, il en vaut 2. D'accord. Ah, mais j'ai droit que mettre un seul trait. Bah alors on va mettre très forte. Très forte c'est quoi? Plus de dégâts et plus de ressources. Créer un modèle. Et alors celui-ci. Appliquer un modèle à tout le monde. Et enquêter. Dans 10 mois on a notre espèce qui est à plus fort. Ça ouais il y a plein de choses à faire. Donc il faudrait une troisième flotte en fait en gros. Ici, toi tu fais quoi? Non mais, toi pourquoi aller faire tout ça? Viens t'occuper de... Ça c'est bien... Psionique. Ça c'est quoi? On va faire celui-là, celui-là. Parce que là je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça devrait être faisable. Hop, nouvelle recherche, on va partir sur plus de minéraux produits. Donc ici, ah en fait on l'aura jamais parce qu'à chaque fois ils reconstruisent derrière, c'est ça? Bon bah avec celle-ci alors on va aller s'occuper des autres planètes. Hop, vu que là où il y a des habitations on ne l'aura jamais. Et ça on peut pas, on va faire ça, ouais. On va faire ça, on va prendre tout ce qui reste. Tu vas aller sur celle-ci. Ah ici, il y a une planète sur laquelle on va faire des constructions. Et sur laquelle il y a des particularités. Non. C'est juste qu'il y a du chômage. Ici on a mis quoi? De la science, hein, je pense. Enfin, une brousse galactique. Très bien. Version d'un empire et un institut de recherche. Donc c'est eux qui ont fini, très bien. Et donc toi, tu dois... Non, c'est pas toi qui va te faire soigner? Bah si. Et il va se faire soigner plus loin du coup. L'analyse de la composition matérielle des sentinelles a révélé qu'elles sont faites d'un composite hybride de métal et de céramique.
Totalement inconnu, un tel matériau pourrait être forgé par une société préhistorique. Pourtant, les premières données suggèrent que ces statues sont plus anciennes que toutes les autres civilisations connues sur Polymine. Malheureusement, les capteurs ne peuvent examiner l'intérieur de revêtement de métal des statues. Continuons. L'ordinateur mental, un appareil utilisé pour capter l'esprit, ont été retrouvés. On va tout mettre en œuvre, oui. On va essayer de s'occuper de celle-ci. Vous voyez ici, je l'ai détruite, elle a été reconstruite, hein, donc pas très utile. Équipe de recherche, plusieurs blessures à trouver. Deux secondes. Alors, on va s'en foutre, on va s'en foutre, on va s'en foutre. On va s'en... Plein de choses dont on n'a rien à faire. Très bien. Ah, elle est dans sa cachette sous des buissons, un datapad dans son quotidien, ses côtés. Je trouve maintenant à l'hôpital où des sangs lui sont apportés. Son état est stabilisé, mais elle souffre de perte de mémoire et n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Toutefois logée dans l'os pariétal, des éclats de cet alliage métallique. Les sentinelles. Très bien. On continue. C'est quoi ça? Infirme. Alors, pas top. Hop, on a besoin de quelques renforts. Et ce que tu vas faire, c'est... Tu vas faire tac, tac. De toute façon, ici, ils vont le reconstruire, Asgard. Tac, très bien. Ici, tu es en train de le détruire et puis tu vas jusqu'à la zone suivante. Très bien. Et là-bas, eux continuent d'avancer comme ils veulent. Hein. Ah ouais, très bien, il doit finir sa destruction et après il arrive. Tiens. Attends, est-ce que t'as encore besoin de soins? Tu n'as plus besoin de soins, donc tu vas rester ici. Eux vont te rejoindre, c'est ça. Et après on va te déplacer vers le sud parce qu'on va avoir besoin absolument de quelqu'un pour s'occuper de ça. Non mais au pire, rebellez-vous ou on détruit la planète, hein, donc... Hop, oh mais sérieusement. Ça fusionnez-vous ici. Oh, il y a un truc qui va servir à aller faire de la juste créer du chaos. C'est ça que je vais utiliser. Je vais essayer de reprendre ces deux-là, refaire du chaos et puis YOLO. Juste pour voir, il reste qui dans la grande guerre ici? Républicaine machin chouette. Ça, c'est ceux que je suis en train de détruire. Reste Sikh machin chouette. Et ouais, il reste ces deux-là. En gros, il reste les deux qui sont enclavés. Et pour y accéder, il va falloir déclarer la guerre à tout ce qui est là-bas. Ce qui sera le cas, hein, bien évidemment. Voilà, ça c'est nettoyé. Tiens, toi tu ne fais rien. Viens te mettre ici, déjà. Toi viens te mettre ici. Là.
Et ainsi, on va leur dire, ben, maintenant, vous pouvez demander des renforts. Une fois qu'ils sont dans un système avec... Ah, bon. On a pu reconstituer le scanner. Une source de radiation se trouve à l'intérieur pour poursuivre les travaux. Il serait toutefois nécessaire de briser l'une des sentinelles. À coup sûr, mais puisque l'une d'entre elles a perdu une partie de ses ailes, conservons les matériaux. Enquêtez, hein, ça va prendre un mois. Nouvelle recherche, durée des décrets. Pour le peu que ça va être utile. Mais très bien, ici c'est parfait. Et ainsi, eux vont disparaître. Hop, ils se replient. Et après, on les détruira. Écoutons-les. Voilà. T'en prie, Divina, libère-les. Je te souhaite libérer de cette prison. Je comprends plus les jours pendant lesquels nous avons servi les maîtres à œuvrer à la surface pendant qu'ils jouissaient des cieux en dessous. Je suis vivante, mais morte. Eux, morts, mais vivants. Ne me laisseras-tu pas partir? Divina la fixe avec un grand mépris. Excelsia, par tous les dieux. Ceux qui nous ont les plus, qui sont les plus chers reposent ici bas. Aurais-tu oublié les péchés passés? Nous avons fait la promesse de protéger à jamais la vie éternelle. C'est là la seule voie de notre rédemption. Elle évalue nos archéologues d'un regard perçant. Vous ne représentez guère une menace pour nous, Sandar. Laissez-nous en paix et nous vous promettons de protéger ce monde à jamais. Les cieux. Qu'êtes-vous? Nous acceptons. Vous êtes libre. Voilà. Bah, félicitations. Oh, non, j'ai cru que j'avais créé encore un empire. Alors, ici. Hop, toi, tu vas venir. L'autre, on l'enverra dans le sud. Alors, toi. Ah, t'es encore en train de te battre ici. Mais où tu vas? Il fallait que t'ailles ici. Donc, toi. Ah, ils ont réussi à se libérer. Bah, super, ils vont mourir. Deux secondes. On va dire, donc, toi ici, tu dois aller jusque là. Félicitations. Ensuite, la troisième flotte ici. Tu vas continuer... Tu vas aller jusque là-bas. Voilà. Est-ce qu'on a une flotte qui ne fait rien? Celle-ci. La première flotte. Qui va venir ici. Et dans... Et toi? Toi que tu ne fais rien. Ouf. Tu vas venir ici. Aussi. Donc c'était quoi? C'était la première qu'il fallait? Tu vas aller là, très bien. Tandis que celle-ci... Toi, tu es quoi? Tu fais quoi? Toi, tu fusionnes, ok. Ok, donc toi, c'est bon, t'es réparé, tu vas recevoir des renforts. Tu vas venir... Ici. Là, c'est nettoyage. Vaisseau scientifique. D'ici, ce que tu peux faire, c'est pas grand chose. Est-ce que tu peux aller là? Reconnaissance. Et ici, ceux qui sont là, ils sont good. On va les envoyer ici aussi. Après, moi, ce que je veux savoir, c'est... Tu vas passer par là, tu arrives dans 600 jours, l'autre flotte, elle arrive dans... d'à peu près en même temps. Oublie, et viens là. Je sais pas qui a pris possession ici. Mais on va aller les détruire.
Je sais même pas d'où ils viennent. Ils viennent peut-être. Ah, mais c'est eux. C'est eux. Ici. Ils ont un tunnel. Qui mène ici. Et donc, ils en ont pris possession. Ok. Donc, ça, tu vas ensuite. Aller là. Ce qu'on va faire, c'est détruire tout ce qui reste. Et en même temps, ils reconstruisent, mais ils reconstruisent du niveau 1. Ou ils l'améliorent petit à petit, mais ils auront plus les ressources nécessaires. Au bout d'un moment. Donc, voilà, là, cette guerre se passe très bien. Et puis, il restera celle-ci pour finir toutes les guerres. Et puis, ce sera les autres. Alors, là, on a combien? On a 49 000. Encore une planète à détruire. Et ce sera le succès. Est-ce qu'on pourra finir la dernière... Je pense que c'est la dernière partie du système, là, dans notre capitale. D'ailleurs, non. Ce que je veux, c'est... Est-ce que je peux en acheter? Voilà. Bah oui, d'autres entités psioniques. Donc maintenant, ça va être à nouveau rouge partout, c'est ça? Il va y en avoir beaucoup, et... Et on va les détruire, hein, petit à petit. C'est ce qu'on fait, donc. Il n'y a pas l'air d'avoir tant que ça qui sont apparus, mais peut-être qu'elles arrivent petit à petit. Tiens, toi ici. Essaie d'aller... Là. Et toi, une fois que t'as fini... Tu vas demander d'aller jusqu'à ici. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire... Tac. Non, tu vas aller là. Tac, tac. J'appuie pas sur la bonne touche, ça va pas le faire. Tac. Ah ben, tu seras bloqué ici, mais c'est très bien. Tu t'occuperas de celle-là. Il y avait une planète ici? Bien évidemment, il y a une planète, hein. Tu passes à côté, tu vois, comme... Très bien. Toi aussi, tu passes à côté, tu vas... Ah non, tu l'ignores. Ok. Et tu vas où? Arrête-toi ici, quand même. Ainsi, toi, tu devras venir ici après. Non. On va commencer par celle-là. Alors détruire, encore une fois, éviter qu'ils aient trop de stations, qu'ils renforcent leur flotte, etc. Hop, c'est fait. Déplace-toi ici. Et là-bas, il nous a échappé. Chasse-les. Hop, on va faire... Tac. On fait ce qu'on peut. Les autres, est-ce qu'on va les faire? Peut-être pas. Si on a besoin. On va renforcer. Tiens, toi. Toi, t'es une merde. Hop, destruction. Vous deux. Destruction. Des renforts, et bah tu vas continuer à descendre, tac. Ah oui, on l'ignore en fait, ok. Bon bah je vais les chasser et puis je reviendrai en arrière. Manque de nécrophytes, on va remplacer ça
par un holothéâtre. On va faire un peu de plaisir aux habitants de la planète. Nouvelle recherche. Point de forme, point de cloque des plateformes défensives, même si j'en ai pas. Hop, attends, stop. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu me fous comme merde encore? Pourquoi tout ça? Est-ce que c'est pas ce que je demande. Non, stop. Fusionner, destruction. Ici, même chose. Chantier, t'as de la chance. Destruction. Vraiment de la grosse merde, ça. Je sais pas pourquoi. Je demande pas qu'ils créent des nouvelles flottes, en fait. C'est pas du tout ce que je demande. Oh, c'est parce que les flottes sont isolées, c'est ça? Ah bah, ça se passe comment? Oui, ils ont l'air de bien le vivre. Donc, tu vas arriver, te déplacer ici. Et après, tu vas faire détruire l'étoile. Hop, ici, puissant... Ouais, ça va. Déplacer ici. Ils ont pas de planète ici, hein. Non, donc on va venir ici. On va prendre ça. On va prendre tout ce qu'on peut prendre, en gros. On l'a eu. Bah, tu viens récupérer ça, s'il te plaît. Et là, trou de verre inexploré. Explorer le trou de verre. Hop, toi ici, c'est bien, bah tu continues, c'est très bien. Toi tu vas faire 1, 2, 3, et après on verra. Et pour l'autre, t'as réussi ça. Tu veux pas aller te soigner, c'est où le plus proche pour te soigner? C'est là-bas, bah tu vas aller là-bas alors. Te soigner. Est-ce que dans celui-ci, il n'y a rien? On va venir construire 2 chantiers navaux. Nouvelle recherche, on continue. Hein. L'objectif c'est de voir combien on peut amener à produire. On est quasiment à 2000. Ce serait bien d'avoir 2000. Hop, ici. Donc ça, ça nous appartient maintenant. Ouais, soigne-toi, c'est très bien. Fusion, destruction. Hop, donc toi tu te soignes, toi t'es encore en train de déplacer ici. Là, mets-toi ici, et là on va te demander de te soigner, et on va faire appel à des renforts, très bien. C'est bon, c'est à nouveau à nous. Tu vas venir jusque là. Et ensuite, bah, va jusqu'ici et après on te dira où tu vas. Tiens, toi. T'es hyper gravement blessé, on dirait pas. Non, ça ne nous intéresse pas. Tac, déplacer ici. Déplacer ici. Hop, où sont ces pirates? Souvent, c'est dans ce coin-ci. Enfin, c'est ici. Tiens, toi ici, tu fais quoi? Tu fais rien. T'as fini ton travail. Viens chasser les pirates. Ici, la troisième flotte. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien, mais je peux pas te dégager. Hop. Toi ici. Est-ce qu'il y a une base stellaire? Non. On va faire ça alors, on va fabriquer une base stellaire. Hop, en attendant ce que tu peux faire, éventuellement. T'occuper de l'entité psionique et revenir. Hop, et toi qui es en train de te replier, est-ce qu'ici maintenant les... Non, pas encore. Donc toi là, ce que je peux te faire, c'est faire avancer ici.
Super. Ici, très bien, tu avances, toi. Ça donne quoi là, cette bataille? Ouch. On prend cher ou... On prend cher, mais on devrait être en train de gagner. Ok, ils se sont repliés. Mais on a bien vu qu'il n'était pas fait pour le combat, quoi. Activer le portail. Et tu vas prendre ça. Ici. Ah oui, mais ici ça sert à rien, on va pas rester. Faudra détruire après. Par contre, on peut se permettre d'avancer sur celle-là, ça on peut. Et ici. Là, c'est parce que j'attends, c'est ça, hein, j'attends le chantier naval, très bien. Et ici, il doit y en avoir, il y en a déjà, hein, donc c'est très bien. Toi, tu vas demander des renforts. En espérant que les renforts soient... Non, ils sont pas tous produits ici. Quoique, si, ils ont l'air d'être faits ici, c'est très bien. La deuxième flotte, où est-elle? Donc c'est celle qui est en train de se soigner. La première flotte ici. Tu vas venir... Ça c'est quoi? Entité psionique, tu vas me la détruire. Quatrième flotte ici. Tu vas venir... Là. Troisième flotte... Et la deuxième flotte ici, bah avance. Non, non, reste ici, reste ici. Soigne-toi. Est-ce que maintenant, c'est bon, maintenant il y a un chantier naval. Donc on va demander des renforts. Oh, pauvre enfant. Ils ont voulu se rebeller, ils sont morts. Toi, tu vas venir. Ici. Ici, ainsi qu'en même là en fait. Non, on va rester là. On déclarera la guerre et on viendra prendre tac, détruire ça et détruire ce qui reste. Et c'est pas pour tout de suite, hein, la guerre. Eux, je peux faire un statu quo, très bien. Eux, non, mais. Ouais, non, toi, tu vas te remettre en arrière, déplacer ici. Est-ce que là, il y a un... Encore une fois, pas de chantier naval. On va le soigner. Ici, là, t'attends des renforts, donc on va pas te bouger. Toi, t'attends encore quelques renforts. Ici, avance. On va continuer à avancer avec celle-ci. Et une fois que cette flotte sera ok, elle viendra faire le chemin et remplacer, ou chasser. On verra à ce moment-là. Hop, bah tu vas venir ici, hein. Tac. Ici, ce qu'on peut faire, c'est continuer à avancer. Avancer, détruire. Toi ici, ça donne quoi? Ça donne que c'est ok. Donc, tu vas avancer là-dessus. Essayer de prendre ces deux-là. Et puis... Libérer ce qui est au sud. Toi, c'est presque ok. Donc tu vas revenir dans ce coin-ci. Non. Non, il faut que t'ailles là. Tu peux pas aller ici. Ben va là alors. Prendre ça et on va essayer de détruire tout ce qu'il y a en remontant. Nouvelle recherche, habité plus 5. Et nous on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.